there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, une personne m'a dit, fais cette vidéo, casse-toi pas la tête David, fais cette vidéo. Moi je me suis dit, un peu, j'ai encore mal au cou, comme vous avez vu, j'ai un peu mal au cou là, je reste que face à vous comme ça, je fais que comme ça, bon je bouge pas trop, ça me fait, en fait, quand je bouge ça fait des craquements, c'est comme si j'étais bloqué, je suis condamné à la vie à rester comme ça, et pour regarder sur les côtés, je fais comme ça je déplace tout mon corps et tout, c'est un peu chiant en fait, mais bon voilà, du coup, ben, tout à l'heure, j'ai regardé en fait le maillot de l'or, je suis un peu à l'ouest. J'ai regardé le match de l'Olympique Lyonnais, mais c'est tombé, c'est même pas la peine. Je vais pas faire de commentaires, je fais pas de commentaires sur ce match. Aujourd'hui, je fais une vidéo dégustation. Je commence pas à faire des commentaires, aller de droite à gauche, dire parler de ça. Non, non. Je parle pas de foot aujourd'hui, pas de foot. Je sais qu'il y en a qui aiment pas le foot, donc aujourd'hui, pas de foot. On parle de mon tacos, mon bébé tacos qui est arrivé aujourd'hui. Il est arrivé, bon, il est né tout à l'heure à 20h. 20h précisément, ce bébé tacos, puisque comme vous avez vu, vous avez aimé le putain, j'ai mal, moi je parle, faut pas trop que je m'excite, parce que quand je bouge trop, ça me fait un peu des, ça me fait mal en fait, ça me fait, je sais pas, on dirait que je suis condamné, ça me craque, je sais pas, enfin bref, je parle un peu trop, je suis un peu perdu. Du coup, ben, je disais, vous avez aimé beaucoup la vidéo de tacos, la dernière vidéo de tacos que j'ai fait. J'ai vu que vous avez aimé, vous avez liké, franchement, je remercierai tout le temps, franchement, c'est magnifique. Moi, aujourd'hui, bon, je fais une petite vidéo tacos, puisque plus tard, je vais faire bientôt la vidéo du tacos, giga tacos, vous savez, le grand tacos, là, qui est grand, qui est vraiment gros, qui fait comme ça, là. Qui est vraiment, mais pas genre long comme ça, vraiment carré, gros tacos, tout ça. Je prépare cette vidéo, bon, le jour que je serai prêt à faire cette vidéo, je la ferai, mais là pour le moment je me calme un peu, je fais le petit tacos, un petit bébé tacos tranquille, pour que mon ventre se prépare tranquillement, même si je mange pas toujours des tacos, donc le jour que je vais faire un tacos, de toute façon, le jour que je vais manger ce giga, le giga tacos, le tacos le plus grand au monde là, le jour que je vais manger ce tacos, je serai à jeun, c'est du matin à l'après-midi, je vais peut-être pas manger rien du tout, même pas rien, pour essayer de me concentrer à le finir, mais je sais très bien que je vais pas le finir parce que je vais le couper et puis enfin bref, je vous parle trop de tacos, on n'en est pas là. Bon, aujourd'hui je veux commencer la dégustation du tacos, c'est le plus petit tacos, puis voilà, c'est parti, nous allons commencer à déguster ce petit tacos de petite qualité bien sûr, pour avoir une petite vidéo de tacos tranquille aujourd'hui, c'est parti. Voici le tacos qui est là. Là, c'est pas, je suis pas allé chez au tacos. Hein. Je suis allé dans un petit tacos. Vite fait, regardez. Ça, c'est facile. Ça, vous savez très bien que je vais finir tranquillement. Regardez comme il est dans un petit embagage. Un petit embagage. Je suis fatigué. Hein. Faut vraiment que j'aille dormir. Là, c'est dans un petit emballage de croissant. Ça, c'est un emballage pour mettre des pains au chocolat. Un truc comme ça. C'est pas un embagage. Oh là là, je suis même plus parlé. Bon, voilà comment se présente le tacos. Hein. Voilà, regardez, c'est rien, ça c'est un jeu d'enfant. Il est bien serré, il est même, il est, on va dire, la taille de ma tête, hein. Presque. Enfin, presque. Regardez, ça c'est un petit tacos, ça c'est un enfant comme tacos. C'est pas un tacos vraiment un tacos de bonne qualité, c'est un tacos vite fait quoi. Bon, ben j'arrête de parler, à déguster ça tranquillement. Et bon, je vais vous dire s'il est bon. Par où je vais croquer là. Je vais croquer par là. Je sais pas là où par où je veux croquer, c'est parce que là je suis en train de m'interroger. Voilà. C'est parti. Bon appétit les amis. Ça va, c'est un bon tacos. C'est un tacos à. Un petit tacos au cordon bleu. Escalope, excusez-moi. Ah, je me rappelle même plus tellement je. Parce que j'étais dans les émotions du match. Là. Bon, là, je mange un. Excusez-moi, je suis en train de manger un tacos. Cordon bleu. De petite qualité, hein, évidemment.
Mais ça, je vais le finir. Hein. Je vais le manger vite fait de suite pour finir la vidéo, puisque ça se trouve, elle va mettre 10 ans la vidéo. Très bon, quand même, très bon. Je suis en train de me salir, mais très très bon. Le taco, c'est de bonne qualité, ça va. Mais quand même, je préfère quand même le giga de tacos quand même. Mais il est très bon. J'ai oublié de prendre mon sopalin. J'ai pas envie d'aller chercher mon sopalin là pour couper la vidéo. Bon, ça va, plus propre. C'est sûr que c'est pas le meilleur tacos que je mange là. Là, c'est pas le meilleur. Là, non. Ça, c'est pas le meilleur. Ça, quand c'est petit comme ça, c'est pas le meilleur. Bah après, il est mangeable. Je mange un peu trop vite là. Franchement, c'est pas génial dedans. Hein, franchement, je dis c'est pas génial. Hein. En fait, c'est bon, c'est mangeable, c'est très bon. Mais quand on voit comme ça, les frites, on les voit pas beaucoup et tout. Là, je précise bien que je préfère toujours aller à manger mon tacos au tacos, puisque là, manger un tacos chez un snack qui fait des tacos, bon, je dirais que c'est pas le meilleur snack. Je cite pas l'endroit, je classe pas l'endroit, mais je dis que celui-là d'endroit, franchement, c'est pas le meilleur tacos. Mais ça va, c'est mangeable. Après dire, je veux quand même vous dire que je suis un peu déçu de ce tacos parce que il est bon quand je le mange, le goût il est bon, mais je sais pas, il manque quelque chose. Il faudrait que, mais franchement, la prochaine vidéo de tacos, ça serait au tacos que. Au magasin au tacos que je vais prendre mon tacos parce que dans les petits snacks de quoi on est un peu déçu. Bon, y a des snacks qui font des beaux tacos, des très bons tacos. Mais là, celui-là que je cite pas l'endroit, je fais pas de pub, etc. Pour pas qu'on dise ah, le gars il est allé manger chez ce tacos et tout ça, nanana, tout ça. Je dis rien. Puisque on sait jamais, parce qu'il y a des gens ils peuvent voir ma vidéo et dire ah, il parle de celui-là, de tacos et tout. Aujourd'hui, je précise que j'avais faim. Et du coup, je me suis dit, je vais manger un nouveau tacos. Enfin, un tacos normal, puis voilà. Bon, ben, je vais finir mon tacos tranquille. Regardez, il est déjà fini. J'ai à peine commencé, il est déjà fini mon tacos. Donc, je vous dis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et puis, voilà, bon, c'est pas très agréable cette vidéo. Un peu pas basique cette fois-ci. Parce que vous avez vu, mon tacos, il est déjà fini. Mais bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et puis je suis en train de préparer la vidéo de tacos, du gros tacos là, géant là. Vous allez rigoler cette vidéo que je vais faire parce que ce serait une vidéo vraiment un challenge très très dur pour moi à faire, parce que c'est une vidéo là où je vais manger la première fois un tacos qui va me dépasser plus que le XXL, plus que celui-là. Et je sais pas, là je dis à la télé, je vous dis entre vous et moi, c'est sûr et certain que je finirai pas le tacos là, le giga taco, je ne finirai pas. Mais je ferai cette vidéo pour vous montrer mes impressions, comment j'arrive à déterminer la bête sauvage. Bon, ben là c'est le petit bébé là que je suis en train de finir. Et puis voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. J'espère que vous prenez bien soin de vous. Et puis voilà quoi, je vais arrêter de parler parce que là je parle trop. On va dire lui, il parle trop. Voilà, blablabla. Allez, salut les amis. Every time she walk by, I can see in her eyes. Shawty be feeling my vibes. I feel like there she go.